Les automobiles contemporaines sont dotées de plusieurs systèmes veillant sur la sécurité et le confort des passagers. Les accessoires standards comme un triangle de pré-signalisation ou un extincteur sont tout simplement indispensables. Pourtant, il existe quelques systèmes de sécurité dont beaucoup de voitures n'étaient pas équipées jusqu'à maintenant et qui deviendront obligatoires pour de nouveaux modèles d'automobiles. Un de ces systèmes est le contrôle automatique de la pression des pneus, TPMS. Cette technologie est basée sur un capteur TPMS situé sur la roue qui contrôle la pression de gonflage du pneu. Les résultats du contrôle sont projetés sur le tableau de bord. Une autre nouveauté sera le système veillant sur l'attachement des ceintures de sécurité. Un signal sonore ou lumineux sera émis jusqu'au moment où tous les passagers attachent leurs ceintures. La plupart des voitures sont déjà équipées du système ISOFIX, mais à partir de maintenant, il sera obligatoire sur au moins 2 sièges d'une voiture particulière. Un renforcement du siège arrière peut être surprenant. Pourtant, il deviendra obligatoire parce qu'au moment d'un freinage brusque ou d'un heurt, le contenu du coffre peut pénétrer dans la cabine du véhicule et blesser gravement les passagers. EPS, système de direction assistée électrique, fonctionnant déjà dans quelques modèles d'automobiles, sera aussi un équipement obligatoire de chaque nouveau modèle. La dernière des nouvelles exigences est une signalisation indiquant le moment optimal de changement de marche sur la boîte de vitesse manuelle. Ce système, déjà monté dans certains véhicules, sera officiellement obligatoire pour toutes les nouvelles automobiles. Pour en savoir plus, regardez d'autres vidéos.